Direct. Salut tout le monde, c'est Springtrap 451, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing, alors de 3 produits, donc on a des produits Militaria, donc on va l'ouvrir maintenant, hein. Alors on va commencer plutôt par là, les go, ouais, j'ai fait avec des ciseaux, parce que j'arrive plus à retrouver le sécateur, bon, vous voyez, go. Enfin, j'espère. Normalement, il y a une vidéo qui va sortir, qui va bientôt sortir. Ça. On verra. Ok. Ok, ça va se voir cette partie, ce côté. Hop. Non, c'est bon. Bon, on va pas à l'ouvrir, c'est trop bien. Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé la papier. Non, mais sérieux. Toujours dans la délicatesse. J'ai mieux arrivé, on va couper. Super. Super. Je vais pas aller trop loin, on va couper le. Voilà. 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 Du papier bulle pour protéger. Je vais faire ça délicatement. Voilà. Je mets ça. Ça. Merci la petite pièce, hein. Je vous remercie. Le fameux. Bien sûr, comme d'habitude, les petites pièces. Carte du magasin. Hop là. Donc on va commencer par ça. Super, super. Alors avant, on va couper ça parce que c'est pas intéressant. Voilà, un sac en cuir allemand de fin de guerre. Trop bien. Non, super. Alors, je sais pas si des marquages. Oh, super, c'est un sac en fait en peau de vache. Déjà, ça se voit. Il y avait plusieurs poches. Je crois qu'elle a été vissée. Je crois que c'est normal, hein. Mais c'est super. C'est trop bien. Bon, après, le tissu est un peu abîmé. C'est vraiment pas grave parce que, ouais, bon, après il y a la peau qui est partie. Alors on va le poser ici. Hop là. Ouais. Après, je le fais sur mon lit, donc c'est pas propre du tout. Oh non, pas propre du tout. Je vais mettre ça pour protéger. Alors, nous avons. Un casque anglais. Nous avons un. Ok. Là, nous avons un casque anglais MK3 de la Seconde Guerre mondiale.
Bon, alors le problème, c'est que tout ça tient sur une seule vis. J'essaierai de trouver une solution pour réparer. Car ça peut se casser la gueule. Et ça, c'est super. Mon premier cassant, je suis trop fier de moi. Je suis trop content. Je suis trop content. On va le poser. Et je vais le mettre là parce que. Alors, là, j'ai acheté un fameux masque à gaz allemand. On a encore tous les marquages là. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Les plastiques. Ici. Et là. En fait, le problème, c'est que quand je. Ici. Et là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment un gros problème quoi. Cartouche. Qui est assez énorme. Bon, ici elle était cabossée, ici, là, mais c'est pas grave, il y a une bombe de douche. Et elle est très légère. Ça sent une grosse quand même. Magnifique quand même. L'intérieur, alors j'ai peut-être pas montré. Je crois que j'ai pas montré l'intérieur. Non, je pense pas. Donc là on a une sorte de coton. C'est du carton plutôt. On a un trou pour le nez. Il est en superbe état. Superbe état. Incroyable. Le problème, c'est qu'il est resté trop longtemps aplati. Donc en gros, ça donne ça. Si je mets ma main. Mais je crois que c'est fait exprès pour que ça reste bien hermétique. Quand on le met sur notre visage. Récapitulatif, un masque à gaz allemand civil, plutôt pour enfants. Dommage que c'est pas pour adultes, mais bon, c'est pas grave. Je suis super content. Ça, c'est super pièce. Un casque anglais aussi, et un sac à dos en peau de vache. Et ça, c'est magnifique. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres contenus comme ça. Donc, faudra un petit peu attendre. Parce qu'après, il faut que j'ai l'argent. Bon, allez, à plus.